Bonjour les enfants. Aïe. Alors aujourd'hui on va vlogger, n'est-ce pas? On s'en fout, c'est pas grave, je le dis quand même. Donc là je suis derrière parce qu'on va déposer Chachouna à l'école qui est en retard bien sûr, comme d'hab. Et après on va retrouver ma mère et mes soeurs et on va aller sur Agen. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur Agen, donc on va aller sur Agen. Principalement on va sur Agen pour chercher des cookies, mais on va en profiter. Moi je reprends parce que j'ai été coupée par un coup de téléphone qui servait à rien. Je disais donc, oui, à la base on y va pour chercher des cookies, mais en même temps on a envie de passer une petite journée entre filles, entre mère et fille et petite fille. Donc du coup voilà, on aime bien nous les petites journées comme ça. Comme quand on va au pas de la case et les journées où on fait les cadeaux de Noël, quoi. T'en as un devant toi. Mais Shaïn, il a pas de masque. T'as pas de masque, Shaïn? Mon Dieu, Shaïn, il a oublié son masque. Mais t'as pas de temps de demander un à l'école. Comment tu fais? Non, mais je rêve. Qui part sans masque, Shaïn? Ouais, qui part sans masque? Papa aussi, ça fait un mois, il dort. Non, mais je rêve. Bon, faut trouver une solution de masque, là. Je veux pas que tu me filmes. T'inquiète, t'es moche. Bon, du coup, c'est bon, on a déposé Shaïn, on a fait un petit aller-retour à la maison, évidemment. Il nous a fait croire qu'il commençait à moins 10, en fait, il commence à moins 5. Tous les jours, il veut partir de bonne heure, alors qu'en fait, il veut être devant l'école et attendre dans la voiture. N'importe quoi. Il y a du monde qui commence à 9h le matin, quand même. Ouais. Bon, allez, là, on a pris la route, on a 10 minutes de retard. Elles vont gueuler les gens qui viennent. Une minute. Encore. Une demi-heure de retard. Non, j'avais dit... 9h. Non, j'avais dit qu'on arrive à écart. Il est quelle heure? 9h. Oui, 9h. Et on a une demi-heure de route. Voilà. Donc on a un quart d'heure de retard. Il fallait que je vous dise quelque chose parce qu'il fallait que je le partage avec quelqu'un. Parce que Tissène, elle s'en fout. Moi, surtout, j'ai l'habitude. Hein. J'ai mis un collant. Vous savez, des fois, les collants qui sont très serrés. Enfin, en fait, c'est un collant gainant. Parce que j'avais que celui-là qui était pas troué en fait. Et c'est vrai que j'avais acheté ces collants là qui font ventre plat et tout, hein, machin, nanana. Et en fait, en plus de faire ventre plat, au niveau de la. Vous savez l'entre-cuisse là, au niveau du pli de la cuisse, il serre. Et en fait, il me fait un garrot le collant. Ouais, il fait ça, genre ça la cuisse, il me fait une boule là. Ouais, non, mais c'est, ouais, c'est au milieu, c'est dedans. Ah, c'est... Il me fait un garrot le collant et en fait, ça me chauffe. Je sais pas comment dire, parce que la fibre du collant, en faisant un pli, elle se fait comme ça entre elles. Et ça me fait un garrot, dis donc. Couille de nasse de couille de nasse. Je vais être réchauffée entre les jambes. Je vais marcher en canard écarté. Tu peux enlever le collant, hein? Je peux enlever le collant, non? Okay. Heureusement que je suis bien épilée des jambes. Bref, c'était pas ça que je voulais vous dire. C'était quoi? Que t'avais la raie scie en deux. Mais non, c'est le collant, il me scie. Mais d'ailleurs, t'as dit j'ai la raie scie. Oui, mais en fait, la raie de l'entrecuisse. C'est incroyable. Ah, bon. Et voilà. Mais c'était la réduction. C'est marqué? Oh, je reçois des Médors et tout, des compagnies. Sylvie, t'as un message à faire passer, on sait jamais. Ouais. T'as un message à faire passer, on sait jamais. À qui? Là, sur YouTube. Ah, si, il y a une fois une chatte et Juju Fit 4. Voilà. On passe à Toulouse. Juju et Fit 4. Et Fit 4. Juju Fit 4, je dis pas Juju Fit 4. Oui, moi, si moi je me trompe, je sais pas le dire. Juju Fit 4. On sait jamais, hein, si vous passez par là, hein, sur la vidéo, Cindy, elle est fan de vous. Hein. Ouais, je veux perdre du cul. Ah, t'es fan d'eux, je suis fan de cul, toi. Ah, je suis par rapport aux recettes et par rapport au sport. Voilà. Donc Cindy, elle est fan de vous, si vous passez par là, faites-lui un gros bisou. Voilà. Voilà. Ça va, et ça y est. On a mangé les tic tac. Maman, elle a avalé, elle. Oh là là là. On a la gueule en feu. Les narines, elles sont dégagées, Cindy? Oui. Pas trop, hein. On respire bien, maman.
Tu respires mieux? Jennifer, elle a la bouche, elle a un peu. Ça nous coupe l'appétit, ça c'est bien. Je jure que ça, tu manges ça. Si t'as faim, tu manges ça, t'as plus faim. Mais là, tu peux manger, tu peux mettre à boire. Ouais. Parce que ça te change le goût. Ah, c'est vrai. Ah ouais, si tu bois du jus d'orange. J'ai fait esprit de prendre l'extra frais. J'espère qu'à midi, on aura plus le goût quand même. Je vais faire un bon repas, moi. Je vais manger des cookies. Qu'est-ce qu'elles sont belles, mes dents. T'as des dents blanches, toi, à côté. T'as vu? Elles sont toutes... Toi, t'as des petites dents comme moi. Ouais, si, elles sont petites. Elles sont blanches, mais moi, ce que tu sèmes quand même. Là, on a fait une tartrage. Il va faire un, moi. Regarde la comparaison des petits sacs avec les dents. Regarde. Et toi? J'avais pas le cas. Et toi? Maman, qu'est-ce que c'est tout ça? Tissène, tu m'as pas dit que tu voulais du saucisson? Non, mais je suis pas de la. Tu m'as pas dit que tu voulais du jambon? Tu vlogues du jambon, con. Il y a du jambon chez Auchan. Donc, il faut venir avec ton truc du monde d'Angers. Arrête de faire de la pub, toi. Je sais pas, on est aux quatre coins du monde ici. C'est quoi? Oui, je sais pas. Ça, qu'est-ce que c'est bon, ça, j'en ai fait une fois, c'est trop bon. Je sais pas, je connais pas, moi. J'avais du boulgour. C'est quoi ces petits trucs là? Ouais, je les mange comme des petits pains. Qu'est-ce que c'est bon ça? Ah, regarde, celles-là sont sèches. Il n'y a pas de sel dessus. Non, mais la vieille, elle est contente là-bas. Elle a trouvé son ami là aux quatre coins du monde. Ah, ça aussi, qu'est-ce que c'est bon? C'est quoi ça? J'en sais rien. Oh, il y a même des trucs chinois. Voilà. Et comme à la maison celle-là? Il doit être là le manchego. Oh non. Si vous voulez des épices, vous voulez des épices à 1€. C'est vrai? Les épices à 1€, elles sont où? C'est pour nous. Oui, c'est pour nous. Elle est contente, elle nous a ramené chez nos. Elle est contente, elle a trouvé des chaussures pour elle. En sécurité. Un grand nose. Ah, il y a des robes de mariée. Ah oui, il y a des robes de mariée dans ce nose. Ah, il y a même des bijoux. Elles sont jolies, maman, pour toi. T'avais pas vu que je t'avais envoyé la vidéo de photos? Si, ouais, j'avais vu. Moins 50, moins 70. Eh ben elles sont là les bottines. Bon allez, on va faire un petit tour à Nose. Je vous montrerai si j'ai acheté des... Ouais, elles sont jolies. Si j'ai acheté... On dirait un peu les Guess. Peut-être pareil, ils voulaient des bottes de pluie. Voilà. Et bon, elles sont courtes. Regardez, ma mère, elle voulait lancer des hommes sur quelqu'un. Regardez la coquine. Cindy, elle est contente, elle s'est acheté une petite montre. Si tu te bouges, c'est mieux. Mykonos. Je ne payais pas trop cher par rapport au prix. Il va y avoir les droits d'auteur avec la musique. Maman. Du coup, on se retrouve dans un restaurant au centre-ville de Agen, presque. Pièce de bœuf. Je vais voir c'est quoi la pièce de bœuf. Ah oui, moi aussi je prends ça alors. C'est un peu comme de la tronquote, non? Ah ouais, j'aime bien. C'est bon, vous avez pris vos menus? Les amants insultants à Chidomi, alors. Pour la viande. Bon, on va aller se laver les mains. Une fois, j'ai pris un pilon. Ouais. Moi, je vais aller me laver. Mon Dieu, nous qu'on est au régime, regardez l'assiette, elle est énorme. Regarde les chips. Pourquoi ils ont mis trois frites? Attendez. Ils ont mis l'un. Mais moi aussi, toutes les frites qu'elle a. Alors toi t'as tout mangé? Oui. Cindy non, Tissène un peu. On peut venir quand même. Ouais. J'étais en train de me gratter le nichon et tout. Pas grave. Tu devrais nous donner l'autorisation, demander l'autorisation d'être de te sur filmer. Ton snap. Ouais, exactement. Ouais, déjà c'est pas des droits d'auteur. Je te paye une partie si tu veux. Tout à fait. C'est pas les droits. Oui, c'est. Non, c'est les droits d'image. Ah oui, oui. Waouh. C'est trop moche, toi, c'est une fer. Elle a une très jolie tête. Attends, j'attends que Cindy revienne. Attendez, on attend Cindy là, on va toute la regarder. Je crois qu'elle est en train de se faire le truc là. C'est le séchoir. On va regarder toute Cindy arriver, regardez. Tu danses plus? Tu danses plus? Hein? Tu danses plus? Oh. Ah. Elle est partie à danser. Quelle galère pour se garer! C'est bon? Ouais, c'est bon. Attends, tu l'as vu connement en plus. Hein. Quand t'allais penser, je suis putain. Elle a fait combien? T'as fait de manœuvres au moins? Six fois.
Au moins 10 manœuvres pour se garer parce qu'en fait il y a le camion ici et on ne pouvait pas passer pour se garer. Donc on est arrivé de là et il a fallu qu'elle fasse un petit demi-tour en manœuvrant. Il faut mettre pas que mettre, non? Bon allez. C'est payant, il y a marqué, mais je sais pas. Oui, c'est payant. Oh là là, il est à casser. Vas-y, refais. Mais fais comme ça. Parce que quand on écarte comme ça l'arrêt, quand tu écartes l'arrêt comme ça, le pays sort et il reste pas coincé dans la culotte. Qu'est-ce qu'elle est molle, Jennifer. Qu'est-ce qu'elle est molle. Tu te faisais une beauté ou quoi? J'attendais le ticket. Ah, tu... ah oh là là, et nous on t'attendait à toi. C'est moi qui ai la clé pour ouvrir. Je vous ai pas raconté. Mon mari arrive, elle me dit. C'est comme. C'est maman, il faut changer les voitures. Bon, allez, on va chercher les cookies. Bon, du coup, changement de programme. On va d'abord aller voir les boutiques chinoises. Et après, on va aller chercher les cookies parce que. On va avoir une boîte et on n'a pas envie de trop avoir une boîte. Sinon, on va se trimballer la boîte. C'est Tissane qui va porter toutes nos boîtes. Hein. Elle a dit qu'elle allait manger après, elle a le dessert. On n'a pas mangé de dessert, oui, je vous l'ai dit déjà. Oui, on n'a pas mangé de dessert, finalement, il faudra le dessert goûter. Écoute-moi, tu peux les porter où les boîtes? De chez Clarosa. Donc, du coup, on en a trouvé là. Ah, donc c'est celle-ci, bon, alors on devrait le faire. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, hein. Je vois que vous êtes connectés là. Oui, je ne sais pas. Ouais. Comme ça, vous allez voir. On ne connaissait pas du tout, nous. On n'est pas d'ici, on est de Montauban. Oh, mais j'en ai des clients. Ils sont belles, hein? Ouais. Salam. Si elles sont belles. Hein. C'est pas les mêmes que les vôtres, non? Si. Je sais pas, ouais, à peu près, ouais. Ouais, à peu près. Attendez, non, c'est pas la même semaine. C'est pas la même semaine et moi j'ai sur le dessus j'ai ça là. On est plus sport là, nous. Ouais. On est plus sport et là on est plus. Plus cranté. Ouais, là elles sont plus larges sur le côté. Ouais. Elles sont bien aussi, bonjour madame. Ouais, moi c'est Clarosa. Ah oui, donc. Tissène qui vient de me demander. Tu viens de me demander quoi, Tissène? Si c'était pas le piercing pour la quéquette. Non mais. Maman, tu sais, elle me demande si c'est pas les piercings pour la quéquette. Ah, je sais pas, peut-être. Ah, tu vois, peut-être. C'est comme je rêve. Je Elle en peut plus. Moi, j'aime bien le faire chauffer. Regardez ce qu'on s'est assis sur un banc. Regardez ce qu'on mange. Oh là 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 là. Le bon goût de l'œuf que maman a déterre. C'est vrai, elle a le goût à l'œuf. C'est qui me le plaît? Elle a tombé le cookie. Non, mais elle va le manger. Tu vas le manger. Tu vas me dire que tu vas le manger. Tu vas le manger? Avec. Bah, tu vas le manger avec les gens qui crachent par terre? Bah, elle allait le manger si j'allais pas. Non, non, t'allais le manger. Oh non, j'étais en train de réfléchir que tu vas manger. Qui est ce cookie de ma gueule à moi avec mon cookie? Regardez, regardez le gaspillage. L'autre, la chaussure neuve. On dû demander de se parler. Pantalon, rien, pantalon. La chaussure neuve. Oh, pantalon, c'est pourquoi? Ça, c'est parce que t'étais en train de me critiquer, je te voyais. Je critiquais pas, je regardais parce que tu faisais ça. Tu me critiquais. Les chaussures neuves à Jennifer. Tissène, elle en a rajouté une couche, regardez. Oh non, 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 je vous jure, elles sont, oh non, elles sont parties visiter l'église. Oh, ça sent les églises, hein. Une petite prière. Quitter
manger pour la journée. On rentre, ça y est, on a fini. C'était passé vite quand même. Hein. Ouais. Oh, on est dégoûté là. Vivement Noël. Hein. Attendez, on a encore âgé quand même. Oui, on est encore âgé, on a encore une petite heure à se parler. Je crois pas qu'on va se faire une soirée des journées filles pas de la case avant Noël. Oui, on va faire une petite journée filles encore au pas de la case. Et la soirée pub. Faut que ça soit ouvert déjà. C'est ouvert jusqu'à 2h. Ah bon? T'as pas l'heure de faire. Ah. Et après on va faire une petite journée pour Noël. La journée cadeau de Noël que je bloque chaque année. Et après il y aura Noël parce que qu'est-ce qu'ils aiment la vidéo de Noël? Bon, ils en raffolent, ils en peuvent plus aussi, ils en peuvent plus qu'ils en raffolent. Moi j'aime Noël. Qu'ils en rêvent la nuit même. Bon allez, on va se laisser, je vous reprends moi tout à l'heure. Tissène vous reprendra. Hé Tissène ! Il m'enlève les boutons donc. c'est quoi qui t'a donné les boutons ? C'est le masque je crois. Ouais, il m'a donné un bouton sur le front. Tu le mets des fois sur le front. Bon, du coup, là, on est rentré à la maison et je suis passée chez Lidl. Donc, je vais vous montrer, je vais finir le vlog en vous montrant ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc, chez Lidl, on a acheté ça. La dernière fois, ils avaient déjà fait la promo et on a trop adoré. C'était super bon. Donc, c'est un café, c'est un cappuccino. Et en fait, il y a déjà le cookies à l'intérieur. Donc, on a trouvé ensuite des yaourts. Alors, celui-là, il est à la pomme. Gâteau à la pomme. On va goûter, on ne connaît pas du tout. Parce que là, cette semaine, c'est la semaine américaine. Ensuite, caramel popcorn. On va voir. Et on a pris gâteau au chocolat, muffin. Voilà, donc ça, on va goûter. Ensuite, ce qu'on a pris, parce que ce soir, on va faire un mukbang avec Tissène en même temps pour la chaîne. Donc, on a trouvé ça, des cuisses de poulet et du poulet épicé. Peut-être comme le KFC, je ne sais pas du tout. Ensuite, à Lidl, qu'est-ce qu'on a acheté? À Lidl. On n'a rien acheté d'autre à Lidl. Si, on a acheté ça aussi. C'est les petits... des trucs au fromage, là, des bâtonnets au fromage. Ça, c'est des nuggets. Et les oignons rings. On a trouvé ça, pareil. On va le faire pour le mukbang. Et on a pris une pizza aux quatre fromages. Pareil, américaine, une grosse pizza aux quatre fromages. Donc... voilà, tout ça, ce sera pour le mukbang. Ensuite, ce qu'on achète beaucoup en ce moment, c'est ça. Les lingettes antibactériennes. Là, j'en ai fait un petit peu le stock parce que dès qu'on rentre les courses à la maison, on désinfecte tout. Donc là, c'est nos cookies préférés. D'ailleurs, on est allé à Gênes spécialement pour ça. Où est-ce qu'ils sont? Attendez que j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà, regardez-moi ça. C'est nos cookies préférés. Ça, franchement, c'est les meilleurs cookies du monde. Si vous ne connaissez pas, c'est les meilleurs cookies du monde. Ensuite, ah oui, aussi à Lidl, j'ai acheté ça. Alors, j'avais acheté, je vous en avais parlé. J'avais acheté la dernière fois le... comment ça s'appelle? L'inhalateur, c'est un inhalateur électrique à Tissène. Du coup, elle a amené sur Toulouse. Et en fait, il se branche. Il est super bien. Je l'avais acheté sur Amazon, il est vraiment bien. Mais il se branche. Et du coup, là, à Lidl, ils en font un à batterie rechargeable. Voilà. Et si vous lisez bien... alors, si j'arrive à faire la truc là. J'ai trop faim. Mais ça veut pas zoomer, ça veut pas faire la... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Mise au point. La mise au point, oh. Donc, si vous regardez bien, c'est pour... je vais vous lire. Il y a rien à boire ici. C'est pour l'asthme, maladie des voies respiratoires, c'est pour les rhumes. Voilà, c'est pour les traitements de voies respiratoires. Et comme vous voyez, il est silencieux, léger et pratique. Et en fait, il est rechargeable. Il y a même le petit masque pour les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Me dis pas qu'ils ont bu tout le Fanta. Alors attendez, il n'y a plus la mise au point sur mon téléphone. Ah, c'est bon. Quel Fanta? Ils ont bu tout le Fanta? Et non, il y en a au frigo. Non. Si, si. Il n'y a rien. Si, elle est derrière la bouteille, je l'ai bu. C'est bon, la mise au point, elle s'est faite. Et en fait... t'as trouvé? J'ai soif, mais... ah, mais qu'est-ce qu'il a, le téléphone? Je crois qu'il est... Il n'y a pas de fraîche. C'est dans le frigo. Il y a deux... Non. Donc, je disais que celui-là est rechargeable. Et en plus, merde, il n'y a pas de mise au point. Ça commence à me gonfler, là. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Ouais. Et il y a même le petit masque pour les enfants. Et franchement, les inhalateurs, c'est vraiment bien quand on fait l'asthme et tout ça. Et du coup, celui-là, quand on partira en vacances, à la place de prendre l'autre, même s'il est tout petit, qui se branche... ben, on aura celui-là en cas de secours. Ensuite, ce matin, on est passé chez Noz. Merde. Et c'est chez Noz, on a acheté. Alors, ce shampoing-là, c'est une tuerie. Alors, on n'a pas trouvé le soin, on est dégoûté, mais je crois qu'il m'en reste du soin. Mais il en restait un soin, en fait, mais on aurait dit qu'il était tout ouvert, tout pourri. Déjà, j'avais dû postionner dedans. Oui, oui, mais à la maison, ici, j'en ai. Ah, il me semble. Donc ça, franchement, cette marque-là, chez Noz, c'est vraiment...
Il est vraiment super. Franchement, il est vraiment super. On l'a payé 1,50€. Ah oui, sinon ça vient de chinoise. Ensuite, on a pris ça. C'est des barres chocolatées. Merde. C'est très très gras surtout. C'est des barres chocolatées au Cornflakes. Tu goûtes avec moi parce que c'est très gras. On a beaucoup mangé aujourd'hui. Alors, ensuite, j'ai acheté ça. Les bonbons. C'est quoi ces bonbons, tu m'as dit? C'est quoi ces bonbons? C'est un peu les Nirds, là, le truc américain, c'est une imitation. Voilà, on a acheté ça. Alors, vous êtes prêts, les amis? Je fais 51 centimes. Alors, franchement, déjà, 156 calories pour un truc qui ressemble à ça, c'est beaucoup. C'est du riz soufflé. Ouais, c'est une barre de céréales. Combien de calories? 156, oui. Wow. Sors-toi, je finis mon truc. Je te referme, petite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté à Noz? Alors, moi, j'ai pris des tablettes de chocolat. Alors, pourquoi j'ai pris les Milka? La date. Oh, c'est bon, novembre 2020. C'est bon, même si ça dépasse, je m'inquiète pas trop. Mmh. Ça fait mal. Donc, j'ai pris les tablettes Milka qui étaient qu'à 89 centimes. J'ai pris plusieurs goûts. Mais en fait, vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis en rééquilibrage. Et là, c'est la lame qui s'allume. Il faut le mettre sur l'autre. Et en fait, c'est 87 calories, 81 calories, les 4 carreaux. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris en noisette, pareil, hein, 91 calories. J'ai pris en noisette, j'en ai pris 4. Voilà, comme ça, j'ai de quoi grignoter. On a pris que des conneries, quoi. On a pris des conneries. Alors, quoi, non, j'ai mais moi, ça, pendant mon rééquilibrage, j'ai le droit. Hein. C'est pas beaucoup calorique, hein. Ensuite, j'ai pris des pâtes au fromage parce que je vous avais dit que chez Action Chain, il adorait les pâtes au fromage et on va goûter celle-ci. C'est des pâtes aux quatre fromages aussi. 99 centimes. Ah, je crois qu'il y a d'autres... Non, c'est les mêmes. Ah oui, Tissane, elle a voulu goûter ceux-là. Qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? Je vais vous montrer. J'ai acheté. Je vais vous montrer. Il faut que je traverse la maison. Je les ai mis à laver. Oh, fais pas ça, hein. Bah, j'ai acheté ça. Donc, j'ai déjà mis à laver pour les laver. Un béret chinois. Je l'ai payé 4€. Il est super beau. C'est un super beau rose, vieux rose. 4,95€. C'est une marque en plus. Le prix normal, c'est 29€ en fait. C'est un truc vraiment de magasin de chapeau. Hein. Et en fait, là, il y a marqué moins 65%, mais en fait, il était à moins 80%. Et j'ai pris celui en cuir chez Jennifer. Il est super beau. Voilà, voilà, ça part à la vie. Ah, arrête! Regardez ce qu'il veut me faire. Arrête! Il veut me mettre le taser. Comment ça s'appelle, un taser? Mon Dieu. Vas-y, je te jure, je le prends quand tu dors. Je te réveille le matin avec ça. Tu veux que je te réveille le matin avec ça? Bon, mais du coup, le vlog va se terminer là ou peut-être après quand je me démaquille. Et je vous reprends après ou pas? Si, je vous reprends après. Je vais ranger le bordel que Shine m'a mis. Bon, mais là, on est en train de tourner le mukbang. J'ai tourné mon mukbang. Maintenant, Tissane, elle va tourner le sien. Ça va donner. Là, ça va clasher. Là, ça va clasher. Là, ça va clasher. Nous allons déguster un petit cookie. Alors ça, vous le saurez pourquoi on dit ça dans mon mukbang. Ouais. Dans mon mukbang. Dis que j'ai un caillou à la place du genou. Un rocher. Non mais ça là, le truc là qu'elle vient de faire, si vous regardez mon mukbang, vous allez voir pourquoi. Dépêche-toi, j'ai la main qui fritoille. Pourquoi? Du pain. Ah, moi aussi. Terminé la vidéo ce soir, parce que je ne l'avais pas terminée. J'ai préparé un petit pot-au-feu là qui finit de cuire. Shaïn, il est en train de m'énerver et je vais le filmer, ça va lui faire bizarre. Regardez ce qu'il a dans la main. Baisse. Regardez avec quoi il s'amuse. Tu reprends ça, tu le mets dans ton sac. Bon, ben surtout, attendez, je vais me mettre en face cam pour vous dire au revoir quand même, faut pas exagérer. Du coup, c'est ce qu'on dit. Bye bye, à la prochaine. À jamais que le pot-au-feu, ça fait 45 minutes qu'il cuit. Ben normalement, c'est toute une journée. Ah, je sais ce que je vais faire, la marinade pour le poisson. Je vais faire la marinade pour le poisson. Tu vas pas le faire maintenant, maman. Ben si. Le temps que le pot-au-feu. Il est cuit, ça y est, le pot-au-feu. Mais tu me rangeras ton bordel. Il faut encore faire cuire la soupe. Mais la soupe, c'est vite fait. L'eau, elle est déjà bouillie. Il y a juste les vermicelles à rajouter. Regardez comment elle est. Tu peux arrêter? Bon. Allez, je cherche un petit. Shaïn, tu veux venir dire au revoir? Bon, allez.
à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, bye bye. Hein? Regardez comme elle est méchante.